Nous allons commencer. Oui, ça va, on va commencer. Les équipes sont en place. Les pilotes sont derrière leur ligne. 3, 2, 1, go! Oh! Alors, mode autonomie. Les Scarabos qui marquent 3 points. Les Sonic Hall qui vont de 3 paniers de 3 points. Alors, fin du mode autonomie. Comment s'est-ce passé? Les pilotes se lancent au poste. Sonic Hall file comme une flèche vers le poste de rechargement, alors que le Yeti entame une tentative de montée. Va-t-il réussir? Il manque un crochet. Le cactus semble pris sur le bord de la pyramide. Que se passe-t-il avec les cactus? Collision entre les Sprockets. Les Sprockets semblent jouer défensif. Y a-t-il obstruction? Pendant ce temps-là, les Scarabos sont à la recharge. Le cactus tente un tir. Alors, c'est un match serré, 20 à 27 pour l'instant. Le Yeti tente toujours sa montée, mais semble accroché à la première étape. Oh! Les tirs de Scarabos, 3 points! Mon Dieu! Le cactus dévore un frisbee, mesdames et messieurs. Le cactus dévore un frisbee. Les Scarabos sont à la recharge. Quelle technique de recharge ici! Alors que le Yeti semble pris encore à la première étape. Le cactus fait une indigestion, mesdames et messieurs. Le cactus fait une indigestion. Attention, mode de lancement humain. Les Scarabos marquent 3 points à nouveau. Quel tir des Scarabos! Sonic Hall tente une montée au premier palier. Alors que les Scarabos s'installent peut-être aussi pour une montée, vont-ils réussir avant la fin du match? Malheureusement. Oui, on attend le pointage final des juges dans quelques instants. Ils seront prêts même ensuite à aller revoir les 15 premières secondes du côté des rouges et du côté 21 à 40 sera le pointage final de ce match. Donc, allons voir ici. Les 15 premières secondes du côté des rouges. Wow, ça rentrait. 35-44, les Spartiates. Et maintenant, du côté des bleus, que s'est-il passé? Alors, on va aller voir les 15 premières secondes aussi. Il y a un beau tir qui est arrivé ici.